استثار حركة النهضة توا هبط بليغ لها قالت فيه: استمع صبيحة هذا اليوم وفد من حركة بقيادة رئيسه مع قيادة الاتحاد، وبهذا الصدد تعلن الحركة قبولها بمبادرة الاتحاد منطلقا للحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة. إن حكومة الترويكا لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة. راشد غنوشي رئيس حركة النهضة، شنو رأيك سي طاهر؟ Je ne sais pas si j'ai mal compris. Il ne faut pas que ça contredise un peu ce que nous avons appris tout à l'heure, comme quoi la NAV accepte l'initiative de l'UGTT. Si on met toutes ces conditions, et si on revient à la même chose, les uns demandent à ce que le gouvernement parte, et puis après qu'on entame des négociations, et NAV a dit, nous restons jusqu'à ce que nous entamons des discussions et le gouvernement reste. Alors là c'est un... ce sont des dilemmes qui sont inacceptables. Moi, je pense que, et je le dis très franchement à nos amis du Nomad, à nos autres, qu'ils passent le Rubicon. Il faut qu'ils se décident. Autrement, ces appels au moment ne peuvent que dégénérer encore le problème. Nous ne pouvons pas indéfiniment tergiverser, gagner du temps. Puisque là, au début, déjà depuis quelque temps, accepter est-ce qu'on fasse le gouvernement le 23 octobre. Pourquoi ne pas le faire un mois et demi avant, étant donné l'urgence? Et d'ailleurs, ce serait bon. Elle est empiétrée dans les problèmes. Il y aura au moins des gens qui vont essayer de sauver un peu la situation, de clarifier les choses. C'est tant mieux. C'est peut-être une position classique pour la négociation, pour ne pas tout donner, pour ne pas être en deçà des contingences et ainsi de suite. Mais de toutes les façons, les choses sont claires. Pour les uns et pour les autres, il n'y a pas d'autre choix. Il y a ça ou l'affrontement. Il y a ça ou la solution à l'égyptienne. Je le dis très franchement. Et il faut il faut quand même se situer en fonction de cela. Il n'y a rien à faire. Et toutes ces diversations, toute cette mélasse nous va amener à perdre confiance. Les gens perdront, les dirigeants d'abord entre eux, perdront confiance les uns contre les autres, puis la population va encore perdre confiance dans tout le monde, et ça va être la débégie totale. Faisons le choix. Nous allons jusqu'au 23 octobre avec cette majlis, ce n'est pas la peine de dissoudre dans l'Assemblée constituante, en lui fixant un petit peu ses prérogatives, qu'elle nous amène au 23 octobre pour décider. D'ici là, nous nous préparons en conséquence avec un gouvernement indépendant, avec un gouvernement, bien sûr, indépendant dans le sens où ces gens-là ne peuvent être ne peuvent pas être un partisan ou envoyé de par vous savez, vous ne pouvez pas empêcher la tendance des uns et des autres vis-à-vis de tel parti. Mais enfin, un gouvernement solide, valable, qui veuille affronter cela. Et qu'est-ce que demande l'opposition? Elle demande un petit peu une certaine garantie pour que les élections se fassent bien. Et bien avec l'IPSI qui a été fait, ou ce qui a repris l'IPSI, avec un gouvernement légal, et d'ici la fin du mois, on aurait résolu ces problèmes. Non, c'est-à-dire, moi, ce que je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'elle accepte. Elle accepte et elle n'accepte pas. Bon. Accordons le préjugé favorable. Et disons, là, bien sûr, elle ne peut pas diverser indéfiniment. Elle est obligée de se prononcer. Et les autres aussi sont obligés de se prononcer. Puisque nous appelons à une manifestation le 23 octobre, pour une semaine. Est-ce que le pays peut endurer encore des manifestations et une contre-manifestation et d'autres contre-manifestations pendant une semaine? Ça c'est quoi? C'est aller directement au scénario égyptien. C'est la fauve, c'est l'anarchie qui va s'instaurer dans le pays. Est-ce qu'on a d'abord accepté ça? Donc, cessons un peu ces problèmes-là, acceptons un peu les choses, et que d'un côté l'opposition arrête un petit peu tout ça, et que la NAD aussi puisse montrer sa bonne volonté, que ce gouvernement s'institue dans la semaine. Il ne s'agit pas de passer 6 mois à faire un gouvernement comme on l'a fait dernièrement, pas du tout. Et puis alors, faire un gouvernement dans la semaine, et surtout donner au ministre Régalin leur indépendance absolue pour gérer.
ils ne sont pas indépendants dans les nominations. Ils y ont une stratégie qu'ils se réfèrent, bien sûr, à l'Assemblée nationale, à la Constitution, ou bien au Conseil des ministres, ou bien ainsi de suite. Ils démontrent. Et qu'ils mettent l'opinion publique dans le coup, mais qu'ils soient capables de maîtriser la situation. On a besoin de ministres ministres qui tiennent la situation, mais qui maîtrisent la situation. Vous savez, tous les ministères sont infiltrés. Et moi-même, quand j'étais ministre, je savais que j'étais infiltré. Il y avait des flagues dans l'autre, des flagues dans l'autre, et ainsi de suite. On sait. Mais quand il y a un chef qui maîtrise la situation, l'infiltration n'a aucune conséquence.